Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui on va faire du ménage les enfants, je vais faire du ménage aujourd'hui, on va essayer de faire tout ce qu'on peut faire, voilà. Je pense que j'en avoir marre au bout de 2h30, mais il faut faire le ménage. Prince, c'est un mur, ce n'est pas un arbre à chat. On se retrouve dans le bureau. Le bureau, je vais pas le faire aujourd'hui. Enfin, j'ai passé un petit coup d'aspi là, j'ai fait les poussières vite fait. Mais sinon, on va pas faire vraiment le bureau. On va surtout faire le salon, la salle de bain, les toilettes, la chambre. Je ne sais pas grand chose à faire. Surtout l'entrée. Enfin, les deux plus gros, c'est l'entrée et le salon. Je vais me faire aider par Josette, qui est mon aspirateur robot que j'ai depuis... un an et demi, que j'aime énormément et qui m'aide énormément. Et en fait, j'ai déjà commencé un petit peu à faire le ménage, pardon. Donc j'ai commencé à faire tremper, je chiale, mes oreillers et mes vêtements Truffaut. J'ai mis du bicarbonate de soude avec du vanille et tout, genre vraiment pour... parce que mon truc blanc là, il y avait une grosse trace de je sais pas quoi. Du coup j'ai mis du vanille, on va voir si ça se rattrape ou non. Les oreillers pareil, ils étaient jaune fluo, donc là j'ai mis du bicarbonate, j'espère que ça va le faire. Après je vais les mettre à la machine, mais en tout cas voilà, j'ai fait tremper un petit peu tout ça. Et pareil pour les têtes d'oreiller, celle-ci elle était jaune fluo, je pense que je vais l'ajouter parce que vraiment elle est catastrophe. Et je vais l'utiliser, vous savez, en chiffon, voilà. Mais voilà, j'ai mis du vanille et j'ai mis du bicarbonate. Donc voilà, pour essayer de les ravoir, parce que c'est une catastrophe. En fait c'était les têtes d'oreiller de mon ex. Et comme il transpirait beaucoup, bah c'est devenu vraiment jaune. Et j'avais beau les laver, etc., bah ça part pas. Je me suis réveillée vers 11h, je suis allée voir mes voisins pour leur apporter le café comme d'habitude. Et là je m'étais occupée pendant 2h d'une vidéo, c'était super long. Donc c'est pour ça que je vous prends que maintenant, il doit être 14h30 je pense, un truc comme ça. Donc pour les toilettes, je mets toujours ce produit là que j'avais reçu de la marque en moins. Donc c'est des dosettes WC, en fait c'est des petites dosettes que tu mets comme ça dans le fond de... enfin que tu jettes dans les chiottes quoi. Et tu laisses agir 4h et franchement c'est super bien. Et pour les dosettes pour le sol, je prends ça, on dirait de la coke, hein, vraiment oui. Pas le cas, et en fait tu mets ça dans le seau et tu rajoutes de l'eau, etc., et bref ça te fait ton petit mélange pour nettoyer le sol. Donc c'est une très bonne marque, n'hésitez pas à aller checker sur leur site. J'ai pas de code promo je crois pour vous, enfin ça fait longtemps que j'ai reçu les produits. Donc voilà, faut qu'on fasse le sel-ouellette. Quoique je nettoie assez souvent le sel-ouellette quand même, je vais pas vous mentir, je nettoie quasiment tous les jours. Donc ça va être assez rapide ici, mais c'est surtout l'entrée. En fait c'est le bordel. C'est pas forcément sale, mais c'est le bordel. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté ça à Action. Jiffy, pardon. C'est des caisses pour mettre les courses au lieu de prendre des sacs cabas. Je mettrai ça là-dedans, donc c'est beaucoup plus simple. Là-dedans, je préfère même pas regarder. Parce que, de toute façon, on va faire un énorme tri des vêtements, etc. bientôt. Tout ce qui est tri, organisation, rangement, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais là, ça va être le ménage. J'ai commencé à nettoyer les coussins pour Prince. Donc là, ils sont au lavage. Ils sont pleins de poils. Donc il faut vraiment que je passe un bon coup d'aspi là-dessus. Donc voilà, il n'y a plus de coussins pour dormir ce soir. Donc j'espère que ça va sécher assez rapidement. J'ai changé les draps aussi ce matin. Comme ça, j'avais les draps propres. Je les ai lavés. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses quand même en vous attendant. Parce que... bah, je pouvais pas vous filmer vu que ma carte SD était dans mon ordinateur en train d'exporter la vidéo. Le salon, bah là ça va être le bordel parce que vous allez entendre la machine à laver, le lave-vaisselle. Donc voilà l'état du salon. C'est une catastrophe. J'essaie de m'approcher du micro, mais déjà il y a les cartons. Donc les cartons, je les garde pour les colis Vinted parce que ça va être une catastrophe sinon si j'ai pas de carton. Donc ça, faut que je les mette dans le bureau ou voilà, que j'essaie de les cacher, faire un petit cache-misère. Prince, il s'est déchaîné dans les cartons ce matin, donc c'est génial, j'en ai partout. Là, c'est des chaussures qu'il faut que je rende, mais il faut que je garde les boîtes. Le balcon, on s'en occupe pas aujourd'hui, on fera ça plus tard. Il faut que je lave les coussins, j'en ai déjà commencé avec un, et il faut que je lave tous les coussins en fait. Tout ça, il faut que je lave tout. Faut que je pousse le canapé jusque là, jusqu'au radiateur, que je change de place Josette, parce que Josette de base est là-bas. Voilà, faut que je range les croquettes de Birdie quelque part, faut que je les mette quelque part, parce que comme c'est des croquettes qui sont mélangées, les autres je les ai données, mais là, celle-là, je peux pas. Donc, faut que je les range, faut que je fasse quelque chose avec, faut que je jette mes fleurs, faut que je range tout ça, faut que je range aussi le carnet de santé de Birdie. J'ai des soutifs qui traînent, c'est vraiment génial. J'ai mon linge par terre qui attend. Et faut que je nettoie tous les placards parce que c'est une catastrophe, il y a des traces de partout. Et surtout que j'essaye de ravoir mon putain de four. Parce que là c'est tout noir et donc faut que je nettoie tout. Enfin voilà, c'est vraiment le bordel. Je nettoie aussi mon frigo si j'y arrive. Faut que je vide tout, faut que je nettoie tout.
Donc voilà, j'ai enlevé tous les coussins, je vais les laver et je vais surtout passer un énorme coup d'aspi dans le canapé, enlever les poils, etc. Parce qu'il y a beaucoup de poils de birdie et de prince aussi, et des miettes, donc je vais faire ça. Oh, ce chacha. Et donc j'ai remis le plaid au cas où si Prince fait des petites bêtises. J'ai... Oh là là le bordel. J'ai mis à laver les coussins et j'ai récupéré ça, donc c'est propre. Par contre il y a plein de poils, donc on va essayer d'enlever les poils au maximum. Alors j'ai une technique pour enlever les poils. Vous prenez une brosse comme ça pour vos animaux et après bah, vous avez juste à brosser et ça enlève les poils. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais ça fonctionne bien, je suis en train de surveiller Prince parce que Prince il fait des conneries sur le balcon. Bon voilà, j'ai tout fait et ce qui est bien c'est qu'ils sont quasiment secs. Et regardez tout ce que j'ai chopé en poils, c'est énorme. Donc je vais les remettre à leur emplacement. Ouais, ils sont quasiment secs, donc c'est bien. Bon, maintenant on va essayer de pousser le canapé. Je sais pas si je vais avoir assez de force, mais il faut. Voilà, on va essayer. Qui va pas y arriver? C'est moi. Ah oh, bah si. Ah oui, c'était le tapis, je crois que j'avais du mal. Alors, comment je fais moi? Ah, ta merde. Bruh. Ah, je ne peux plus. Ah, mon stylo. Je l'avais perdu du coup. Je l'ai retrouvé, mon stylo chat. J'ai pu perdre. Oh, le tapis. Une catastrophe. Ah putain, mais moi je suis con aussi. J'ai mis la table là comme ça. Ok, on va passer un petit coup d'aspi. Et là maintenant, même technique hein, pour le tapis, là comme il est bien incrusté au niveau des poils, je vais reprendre la brosse et je vais brosser tout le tapis pour enlever un maximum de poils. Et là juste l'aspirateur ça suffit pas, j'ai trop laissé traîner sur ce tapis, tous les poils et tout, genre c'est vraiment incrusté du coup... J'ai remis, je vous ai à son emplacement, j'ai fini de nettoyer le tapis, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, il y a plein de traces de pieds parce qu'il y avait du bicarbonate de soude là. Il reste encore un peu du bicarbonate sur le tapis mais je vais passer l'aspi... Enfin, il y a Josette qui va passer dessus donc ça va s'aspirer. Je suis fatiguée, j'ai pas mangé, il est 15h30 donc je vais me faire un avocat ou quelque chose comme ça. C'est bientôt fini la machine pour les coussins du canapé, je suis fatiguée. En plus, Prince, qui faisait, pendant que j'étais en train de nettoyer, il s'amusait avec les oiseaux qui venaient sur le balcon. Du coup, j'étais en train de m'engueuler parce que j'avais pas envie qu'ils sautent par-dessus le balcon. C'était vraiment une galère. Je me suis fait une salade de tomates, avocat, maïs, chèvre. Et j'ai pris aussi un gâteau au chocolat et un jus d'abricot pour avoir un petit peu de force parce que là, je suis éclatée. Il est 16h16. La machine vient de se terminer, je vais l'étendre. Je vais laver les rideaux. Par contre, je peux pas laver... tous les rideaux, je peux laver que ceux-là. Et en fait, ceux-là, je peux pas, ceux de la grande baie vitrée, parce qu'en fait, pour remettre les rideaux, il faut tenir la barre et la mettre à deux. Genre, c'est un truc, tout un mécanisme, il faut le faire à deux. Je suis toute seule. Et ma voisine n'est actuellement pas disponible mentalement, physiquement pour m'aider. Du coup, je vais me faire foutre.
Et après on aura fini pour tout ce qui est lessive, de tapis, etc. Ça sera juste après les vêtements. C'est parti, j'ai les mains dans un état, elles sont tellement sèches. En fait vous venez de louper un truc fantastique. Prince vient de dégueuler sa mère, genre vraiment... Il vient de dégueuler mais un truc de fou. Et comme il était en hauteur, bah ça fait plaf par terre. Ah oh, ça pue mon chat là. Eh hey, tu vomis pas sur mon tapis hein. Je viens de le nettoyer. Bon, on va essayer d'enlever ça. Ah oh, il serait temps de laver là. Oh bon. Oh. Ah, c'est pas grave, hein. C'est plus simple. Parfait. Parfait, parfait. Ici. J'ai le vertige. Du coup, j'ai nettoyé le four, ça a enlevé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, mais sauf que, en fait, j'ai une double vitre. Du coup, ça a coulé entre la vitre et la double vitre. Mais je sais pas comment retirer cette double vitre. Enfin, il y a des petits clips sur les côtés, mais j'y arrive pas du tout. Donc, ça fait encore plus dégueulasse qu'avant. Je suis morte. Mais c'est hyper galère de nettoyer avec le bicarbonate de soude parce que ça fout de la poudre partout. Et moi, je galère à chaque fois à nettoyer avec ça, mais ça désincruste bien. Je suis en train de démonter la porte du four, j'ai fait n'importe quoi, j'ai abîmé mon four, il y a une grosse trace là, je suis dégoûtée. Mais je veux nettoyer ces putains de vitres, je n'y arrive pas. A few moments later. Les gars, j'ai réussi, il fallait juste déclipser le haut. Je savais bien qu'on devait déclipser un truc, mais je savais pas quoi. Du coup, j'ai tout démonté pour rien. Je suis deg. Mais au moins, je sais comment on fait pour la prochaine fois parce que je galérais. Vraiment, j'ai galéré. Eh, pas mal, non? On se voit dans le reflet. C'est trop bien, je suis trop contente. Bon, au final, quand on sait faire, c'est super facile d'entretien. Mais j'ai tout démonté pour rien, moi. Je chiale. Par contre, voilà, ça met plein de petits trucs, là, plein de petits bicarbonates, ça en fout partout. Ah, mon chat! Oh, putain, si tu miaules, ça veut dire qu'il est au moins 18h. 18h11. Putain. Pour l'instant, j'ai nettoyé tout ce qui était meubles, etc. J'ai nettoyé aussi derrière, il y avait plein de saletés. J'ai mis les croquettes de Prince en bas. Je me dis peut-être que ça peut le faire pour lui, ce serait peut-être plus simple. Parce qu'en fait, il a l'habitude de monter sur la table pour manger. Parce que si on mettait les croquettes de Prince en bas, Birdie pouvait les manger, donc c'était pas terrible. J'ai nettoyé la table, les chaises, j'ai nettoyé le four, la vaisselle est en train de se nettoyer là. J'ai nettoyé aussi la machine à laver, en train d'essorer les oreillers que j'ai mis. Et après, j'ai aussi retiré tous les petits lilots là comme ça, qui étaient là ici, et aussi les autres lilots qui étaient sur le mur. Donc je les ai tous retirés, je vais tout mettre dans le lave-vaisselle et ça va se nettoyer tout seul. Ensuite j'ai mis à tremper aussi des petits trucs de la machine à café pour les détartrer, etc. Là c'est le truc du lave-vaisselle qui est en train de traîner. Et juste en bas là vous avez mes vêtements que je dois laver. Mais là pour l'instant je ne peux pas les laver. Bah j'ai pas de place sur l'étendoir. Donc là je vais lancer Jouzette. Donc Jouzette c'est mon aspirateur robot qui est juste là. Elle fait à la fois lavette et aspirateur. Donc je vais faire dans tout l'appartement. Et ensuite je referai un petit coup de lavette à la main pour vraiment bien désincruster. Parce que j'ai marché partout dans l'appartement avec les pieds sales. Du coup il y a plein de traces là comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est le bordel, j'en peux plus. Donc pendant que Jouzette fait son travail, je vais aller faire la salle de bain. Mais en fait il faut que l'essorage soit fini pour que je puisse mettre les vêtements qui sont par terre dans la machine à laver et les vêtements qui sont dans la baignoire en train de tremper, les mettre aussi là-dedans pour pouvoir nettoyer la baignoire. Du coup je vais faire les chiottes. Allez, let's go.
là je viens de mettre tous les trucs au lave-vaisselle. J'ai lancé la dernière machine. Donc je vais lancer une dernière fois le lave-vaisselle. J'attends une heure un petit peu pour qu'il se refroidisse. Et là je vais passer donc la serpillière dans tout l'appartement. Donc là il y a Josette qui continue son travail là. Elle est dans le bureau. Elle a passé la chambre, l'entrée, les toilettes. Elle n'a pas passé encore la salle de bain. Je vais passer la serpillière. Je vais prendre mon petit balai. Bon, je viens de passer la serpillière partout. Je sais pas quelle heure, il doit être 20h je crois. Je laisse sécher, je me repose un petit peu et je vous reprends juste après. A few moments later. Bon, déjà dans l'entrée, c'est déjà mieux, il n'y a plus les trucs par terre. J'ai un petit peu rangé vite fait, ça faut que je le mette au sale. Je suis sûre que je vais retrouver plein de trucs comme ça là partout. Donc là, c'est les cartons, il faudra que je les rangerai demain parce que là, j'ai plus de force. Les toilettes sont propres, nettoyées, tout est bon, tout est nickel chrome, donc ça c'est vraiment cool. Je retrouve des choses un peu partout. Je chiale. Ensuite la chambre, je suis en train de faire sécher mon petit drap là. Le lit est fait, enfin tout est bon, tout est propre, tout est nickel. Donc ça c'est vraiment cool. La salle de bain, bah voilà, je vous l'ai montré, elle est propre. Le bureau, je vous le montre pas. Il faudrait que je ramasse les dernières petites poussières là, mais sinon. Bon, ça ressemble à rien le salon actuellement, mais au moins il est propre et tout est nickel, on peut manger par terre, on peut même manger sur le tapis parce que j'ai nettoyé pendant une heure quand même, on va pas se mentir, c'était long. Je vais peut-être remettre les chaises, attendez. Hop là. Des habitudes qui ne changent pas, hein, ce que je vois. Je t'en peux plus. Hop. Bon, il y a encore quelques petits trucs à ranger, mais franchement, on a fait un gros... Enfin, j'ai fait un gros boulot parce que vous avez rien fait, vous. Voilà, ça a fait quand même pas mal de boulot quand même de tout nettoyer. Là, je suis éclatée. Je suis fatiguée. Mais en fait, il fallait vraiment le faire, ce putain de ménage. Au moins, ça s'est fait. Au moins, je suis tranquille. Et vu que Josette est revenue à sa place initiale, donc à côté de la poubelle, eh bien je pourrais la lancer tous les jours comme je le veux, parce qu'avant elle n'était pas à la bonne place, du coup elle se perdait un petit peu. Mais voilà, bon écoutez, avant que je ressemble à rien du tout, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de bûcherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.